Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau jeu Roblox. Donc c'est parti ce mois-ci pour faire pas mal de simulateurs, les amis. Donc là, on est sur le simulateur de destruction, tout simplement. Donc voilà, ils disent bien que voilà, il peut y avoir des soucis de ralentissement parce que c'est vrai que vous allez voir, c'est assez fun. Donc je vais vous montrer un peu. Au départ, j'avais tout simplement les items de base. Alors je vais vous montrer ça. Tac. Non, c'était pas celui-là le premier item. Non. Il me met pas le premier? C'était celui-là? Ouais, 5 ans d'explosion, ça devait être ça. Et au niveau de la bombe, on avait... Attendez, ouais, bombe, c'est là. Alors, vous voyez, il y a plusieurs tarifs et c'est vraiment ouf la différence, vous voyez. Donc, on s'équipe de celle-là, vous voyez, c'est la première qu'on a eue. Et le sac à dos, on avait un tout petit, et vraiment, c'était la galère au début, je me souviens. Donc, on a pas mal upgrade depuis. Allô, bonjour le jeu. Ah, voilà, c'est celui-là. Donc, au début, vous voyez, j'ai commencé avec ça. Donc, c'était pas terrible. On va aller sur le premier terrain, vous voyez, il faut le niveau 1. Donc, quand vous arrivez, vous êtes au niveau 1. Donc, après, vous montez en level, et le jeu, moi, je l'adore. Parce que bah, c'est fun, c'est amusant, il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand voilà, vous avez passé une sale journée, que vous avez juste envie de vous détendre, un petit jeu comme ça, et bah ça fait plaisir les amis. Regardez-moi ça. Hop. Ah bah vous voyez, on est déjà plein. Donc on appuie sur vendre, hop, ça vend nos items. Je vais reprendre mon petit sac à dos et je vais prendre la deuxième arme que j'avais prise, vous voyez. Hop, on va prendre le deuxième sac à dos, comme ça je vous montre un peu bah, ce que j'ai pu avoir. Donc ça je l'avais pas acheté, donc on s'en fiche. Bon allez, je vais la prendre quand même juste pour le fun de la vidéo. Hop, comme ça on va voir un peu les dégâts que ça fait. Mais c'est vraiment, c'est pas un jeu compliqué les amis, c'est vraiment un jeu pour le fun. C'est, voilà, faut savoir quand j'y joue souvent je suis avec Shiro, donc bah, si vous nous voyez en live, vous voyez très bien qu'avec Shiro on s'entend très bien, donc du coup ça part dans des délires pas possibles quand on est sur ce jeu. Mais voilà, ça détend, c'est pas prise de tête. Honnêtement, quand vous avez quelqu'un qui vous a saoulé toute la journée, que vous avez envie de le fracasser, bah vous jouez à ce jeu, bah clairement, bah ça vous fait du bien, quoi. Vous voyez, démolir quelque chose, ça fait du bien des fois. Hop, vendre. Donc vous voyez, on est assez vite full. Donc c'est ça le problème au début de partie, c'est qu'on est facilement rempli et c'est un petit peu galère. Mais en dehors de ça, voilà, c'est... C'est fun, vraiment, jouez-y avec un pote et tout, barrez-vous dessus et vous verrez, ça passe le temps très très vite. Nous, on voit pas le temps passer quand on est sur ce jeu, hein. Dernière fois, on y est resté 3 heures, je crois, à peu près, et bah, on s'est pas rendu compte que c'était passé 3 heures, hein. On était en mode, ah ouais, d'accord, ça fait autant de temps que je joue. On y a passé tous les deux une sale journée, donc on avait envie de se détendre, de se poser sur un jeu qui prend pas la tête, et c'était sur celui-là. Regardez, hop, on va aller prendre les autres équipements et on va aller sur le deuxième terrain. Où là, franchement, il faut que vous débloquiez les zones, donc il faut atteindre les niveaux. Donc, on augmente assez vite de niveau au début de partie, mais après, je vous avoue que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'armes différentes. Alors, moi, j'ai directement... Ah oui, j'ai économisé pour une arme plus haute. Donc, on va utiliser celui-là. Donc, c'est le meilleur que j'ai, le Chicken Canon. Donc, vous allez voir après ce qu'il fait. Et au niveau du sac à dos, j'ai... je sais plus j'ai lequel. C'est celui-là que j'ai. J'ai celui à 10 000 et après celui à 15 000, 25 000, 35 000. Vous voyez, c'est tout. 50 000, 75 000, 100 000, 150, 250, 350, 500, 1 000. Et l'infini avec les Robux. Donc il faudrait qu'on ait 15 000 pour avoir le maxi backpack. Alors, sur le deuxième terrain, regardez, on a tout simplement des... conteneur, une grue et tout. Et regardez, on peut démolir la grue, la faire tomber en un coup. Quasi. Ah, j'ai pas pris ma bombe. Attention. Poule! Et les amis, c'était le fight pour la Hello qui avait oublié de mettre le son. Donc, c'est ça depuis tout à l'heure. En fait, j'entendais rien à part moi parler, jacter. Et c'est normal. Attention. Attention. Poule! Wouh! Vous entendez mon bruit de coq? C'est, ce jeu est vraiment fait pour le fun, les amis. Mais vraiment. Après, si vous n'êtes pas du genre à rigoler sur un jeu et être le faire comme ça pour le fun, bah, enfin, clairement, c'est pas pour vous. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais trouver dans le jeu et ça m'a fait plaisir. Attention! Pull! Ouais! On va découvrir ensemble tous les terrains, écoutez.
Et ensuite, eh bah, on va tout simplement essayer d'aller au prochain niveau. Je vais essayer de farm un peu pour pouvoir aller au niveau 25 avec vous. Parce que je crois que c'est tous les 5 qu'on peut débloquer une zone. Alors, dommage que j'ai pas pris ma bombe. Allez, coco! Attention! Ouais! La musique est vraiment sympa, hein. Si vous écoutez bien, elle est pas mal. Attention! Full! Ah, mais ce jeu. Moi, je le trouve épique, perso. Après, ça va pas être au goût de tout le monde, je suis d'accord. Mais moi, il me fait rire, perso. Pull! Moi, il me fait très rire, il m'amuse. Et c'est ce que je cherche dans un jeu. C'est que ça m'amuse, que ça me divertisse. Donc là, il me divertit. Et bah, ma foi, il fait son job. Attention, on va démolir ça en un coup. Regardez, regardez, attention. Pull! Yeah! On l'a démoli! On est le destructeur de l'extrême. Pull! Hop! Attention, on va démolir le camion. Pull! Hop! Il faut qu'on démolisse ça maintenant. Tac! Hey, coco! Yeah! Attention! Pull! Yes! Attention! Ouais! Pull! Youhou! Bon, je vous avoue, quand on est tout seul, c'est pas pareil. On met plus de temps à détruire, donc c'est moins drôle. Hop! Mais franchement, le jeu est pas mal. Après, voilà, c'est pour des farmeurs, hein. On va pas se mentir. Si vous êtes pas farmeur dans l'âme, oubliez ce jeu. Hein. Très clairement. Par contre, quand on est à deux, on arrive facilement à faire voler les autres. Avec les explosions et tout, enfin, c'est assez récurrent. Hop! Et vous voyez, on démolit assez vite un terrain, hein. C'est pas mal. Attention, on va s'en prendre à la grue. Tac! On va essayer de démolir les deux conteneurs, les conteneurs qui sont là, les trois du moins. Parce que jusqu'à maintenant, il y en a trois. Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit deux. Attention! Poule! Attention! Ah, le terrain était remonté! Bon, on va vendre. Hop, vous savez quoi? Et on va prendre la bonne bombe, du coup. Alors, c'est laquelle, celle que j'ai actuellement? Du coup, c'est celle-là, la mienne. Ok. Non, hello, je sais pas cliquer les gens. Alors, vous prenez là le terrain du milieu pour avancer plus vite, vous voyez. Donc, je sais plus c'est lequel qui est niveau 15. Niveau 10, c'est celui-là. Donc, 10, c'est là-bas, c'est le 15. Alors, c'est parti, attention. Attention, poule! Yeah! Attention, poule! Yes, on l'a démoli. Attention. On va foutre une bombe dans le champ, vous allez voir. Attention, attention. Ah, j'ai mis mal. Attention! Ouais! Poule! On va démolir les silos. C'est parti, c'est parti, c'est parti, on y va, hello! Attention! Poule! On va mettre une bombe dedans, vous allez voir que ça va la démolir. Elle va tomber. Attention! Yeah! Yeah, on est trop bon. Allez, vas-y! Et encore, c'est pas moi qui veux le plus de destruction, parce que pour le moment, j'ai pas assez pour acheter les trucs les plus cheat. Mais clairement, ça fait déjà pas mal de dégâts, mais bon. Quand on est à 3 avec Momu et Shiro, croyez-moi que ça envoie du pâté. Attention! Il est sérieux, ça va pas tout démolir. Oh. Et regardez, regardez, regardez. Vous voyez, ça tient sur 3 blocs à peine. C'est magnifique. Paul! Un bâtiment comme ça, il s'écroule, les gens, IRL. Hein. Ça tient pas. Hein. Mais c'est pas grave. C'est le jeu. Allez! Attention! Yes! Il a pas de chance, lui. Le mec, il a obligé d'envoyer plein de trucs pour que ça se démolisse. Mais abruti! Mais il est chiant, regardez! Il m'a démoli mon explosion avec ma bombe. Bon allez, c'est parti, on va aller sur le terrain 15, les amis. Je vais vous montrer un peu ce qu'est Citram. Hop, on est quasi level 22, à mon avis. On risque pas de faire level 25 ici, je pense. Hein. Ça risque d'être chaud. Ça risque d'être chaud. Attention. Attention, attention, attention. On va démolir la tour qui est là. Poule! Hop. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Yes, on l'a écroulé. Momu, à chaque fois, il dit que je la détruis pas assez vite. Il est méchant, Momu. Je vous jure. Bon, je l'ai pas placé où je voulais. Ah, je l'ai raté. On l'a raté.
Yeah! On a démoli la tour. Alors, on va démolir la maison là. Personne ne l'a touchée encore. Allez, c'est parti. Démolition de maison. Home Destructor. C'est pas mal. Hop. C'est vrai que je fais pas beaucoup de dégâts à côté de certains, mais. Mais regardez, à la vitesse quand même où on détruit une maison. Enfin, c'est. Moi, je trouve ça vraiment ouf quand même. De voir à quel point on détruit si vite. Allez! Démolis! Yes! Allez, 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 allez! Yes! Ah, et l'autre, t'as loupé! Ouais, c'est bien ce que je dis, ça a servi à rien! Je trouve que les bombes, c'est le moins pratique à mettre en place. Poule! Regardez-moi ça! Attention, on va aller mettre une bombe juste ici. Eh ben, c'est démoli! Yes! Le mec, il veut qu'on l'aide un peu là-bas? Poule! En vrai, quand on est plusieurs sur un truc, et ben, le truc, c'est qu'on s'embête les uns et les autres quand on dit qu'on va détruire un truc. Donc, c'est vraiment super fun, quoi. Voilà, j'apprécie hein, vraiment parce que enfin, j'aime bien l'idée de démolir les trucs et tout, vous voyez. C'est satisfaisant, on va dire. Hop! Parce qu'en réalité, en réalité, IRL, on détruit jamais rien. C'est rare. Parce que franchement, on est plus du genre à garder ce qu'on a qu'à le démolir. Mince, j'ai loupé. Et le fail! Bon! Alors voilà, on a vu notre zone, donc je vais aller vendre ce que j'ai dans mon sac. Et c'est parti pour la zone à 20. Ouais, c'est ça. Ah, j'arriverai jamais au niveau 25 pour cet épisode. Ça va falloir que je tryharde entre les deux. Je ne sais pas si j'ai envie de tryhard, les amis. Je ne sais pas. Regardez-moi ça! Poule! Yes! Attention! Non, descends pas! Yes, elle a explosé! Oh, c'est trop bon! Regardez-moi ça! En fait, j'aime bien farmer quand je suis en live, comme ça en même temps, bah, je suis avec vous, je vous parle et tout, vous voyez, pour ceux qui sont sur les lives. Cool! Donc, c'est plutôt cool. Que là, comme ça, toute seule, c'est moins fun. Hop! Allez, poule! Allez, 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 allez. Attention! Allez, on va remettre une petite bombe là-dedans. Allez, démolitionne! Yes! Alors, ils ont déjà démoli le bateau. Comment on va monter dans notre petit bateau? Cool! Alors, on a démoli la cabine. Allez, vas-y, 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 vas-y. Mais non, mais mec, ma bombe va servir à rien si tu fais ça! Oh là là. Poule! Ah, terrain déjà démoli. Bon, écoutez, on va vendre. Ouais, quand je vois le peu qu'on a augmenté depuis tout à l'heure, les amis, ça m'étonnerait que le niveau 25 soit pour aujourd'hui. Hein. Bon. Bon, c'est plutôt pas mal, vous avez vu le principe? Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, sérieusement. C'est juste démolir. Acheter des items. Donc, acheter un nouveau pistolet. Mince, acheter, du coup... une bombe et acheter un sac à dos. Donc là, après, c'est la base spatiale, vous voyez, mais niveau 25. Là, après, niveau 30, c'est une espèce de prison, j'ai l'impression. Là, c'est la pyramide. Là, c'est un château fort. Ici, ça fait une ville avec des buildings. Et là, c'est un volcan pour moi. Et niveau 55, bah, je sais pas, ça fait des tourelles. Je sais pas trop à quoi ça correspond, ça, je vous avoue. Et il y aura du contenu plus tard, ok. Donc là, il faut être niveau combien du coup? 55? 55 max? Ok. C'est déjà pas mal niveau 55, les amis. Hein. Faut farm. Hein. Parce que vous voyez, je suis niveau 21 et pourtant j'ai joué quand même un petit peu au jeu. Hein, un petit peu. Hein. Donc ça prend du temps de farm les levels. Au début, ça passe très très vite, mais après, vous allez voir, c'est beaucoup plus lent. Alors, on va aller revoir le gars qui est sur le plot avec nous là. Et que pas comme cochon! Coucou! T'es où, mec? Et Jude? Hop! Allez, on va essayer de démolir le phare. Allez, 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 allez,
On va qu'ils reviennent parce qu'il manque kill. Il empêche mes bombes d'exploser, le salopio. Bombe! Allez, non, c'était poule. Je rigole. Bon, allez, on va mettre une petite bombe là-dedans. On va voir ce que ça va faire. Allez, allez. Mes soeurs, hello. Sinon, je vais voler si je sors pas. Attention! Poule! Allez, on va démolir un navire. Motolo. Hop. Allez, 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 allez. Yes. Oh, on l'a déjà démoli en deux. Arrête avec ça. What the fuck. Pas très résistant le bateau, hein, les gens. Hein. Pas très résistant. Attention. Yes. Allez. What. Comment ça a pu échouer, ma truc. Ah, j'allais dire, ça avait rien démoli. Mec, démolis pas ça. On peut pas monter après. Il me saoule, lui. Attention. Poule. Bon, je vais vous... les amis, je vais vous laisser là pour le simulateur de destruction. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et à proposer vos jeux Roblox que vous voudriez que je fasse et que je teste en vidéo. Donc, voilà. Prochain épisode Roblox, donc dimanche, du coup. Donc, je vous remercie de votre suivi par rapport à Roblox et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, les amis.